Salut, c'est ton chumming. J'espère que c'est une belle journée. Je pense que c'est passé un beau matin. Oui, c'est très très tôt le matin. On voit le soleil se lever. C'est drôle, j'ai fait une vidéo il y a quelques minutes sur pourquoi Greg Guillotin. Puis j'ai pas été content du résultat. Fait qu'à la place de delete, on va faire une version 2. On va refaire la vidéo. Je regarde la vidéo, je poste, je vais mettre en ligne la vidéo numéro 1. Comme ça, vous voyez c'est quoi quand on fait un effort versus quand on fait un coup de tête. Il y a quelques jours, si vous avez regardé la version 1, je me répète, si vous n'avez pas regardé, c'est encore mieux. Il y a quelques jours, on a fêté la fête du Canada. Oui, je suis Canadien, Québécois pour être plus précis. Puis je me suis rendu compte à quel point j'étais focusé sur ma ville, sur ma province qui est le Québec. Puis à quel point j'ai pas pensé globalement. Puis je me suis rappelé à quel point que j'étais fier d'être francophone. Puis j'ai toujours cru au fait que, bon, ben si je fais du contenu en français, ben c'est le Québec. Mais j'ai pas pensé nécessairement à la langue de la France. Puis une des chaînes françaises que j'adore, c'est Greg Guillotin. Il y a des émissions que j'aime, Les Anges, Les Vacanciers. Il n'y a pas beaucoup d'émissions francophones ou françaises sur YouTube. Fait que là, je sais que Greg, encore une fois, comment j'ai découvert Greg, c'est sur via TikTok. J'ai écouté 2-3 vidéos, j'étais sur YouTube. J'ai tombé en amour avec le contenu. J'ai tombé en amour avec le contenu, c'est des caméras cachées, c'est des scripts. Moi, c'est des piégés, tout le monde est inclus, sauf les piégés, ça j'adore ça. Mais c'est vraiment des bons clips, là. C'est des clips aussi de 2h20 qu'on a vu tantôt avec le coach d'amour. On vient de réagir à une émission. C'est pour ça que je parle comme ça. Mais il y a beaucoup de plus petites que 20 minutes. Maintenant, pourquoi on va réagir à Greg Guillotin? C'est encore une fois, c'est je veux faire plus de contenu en français, mais pas nécessairement m'arrêter au Québec. Je pense que si, à mes yeux, faire du contenu en anglais, c'est être plus globalement parlant, je pense qu'il y a possibilité d'être plus global avec un artiste, un créateur de contenu francophone. Pourquoi Greg en tant que tel? C'est aussi le fait que je pense qu'il est talentueux, je pense que toute l'équipe est talentueuse. C'est des montages comme à la télévision, c'est des équipes qui vont ensemble, qui font des pièges. S'il y a beaucoup de production, il y a beaucoup de budget, il y a beaucoup en arrière des scènes. Puis je trippe là-dessus. Il y a un méta assez incroyable. Il y a un méta qui est assez. C'est intéressant. Il rend ça intéressant. Ils mettent les vidéos en tant que tel, puis ils font des making of. Ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui fait ça. Maintenant, quand je regarde ça, je me dis, bon, ben regarde, j'ai un créateur de contenu qui est incroyable, qui parle français, qui est une langue que je parle. Je veux faire du contenu en français. Je cherche des vidéos à réagir. On réagit beaucoup sur des. Le monde, admettons maintenant, là, on fait des vidéos. Puis même ici, tu peux voir, c'est une barre MrBeast. Il y a beaucoup de monde qui réagit à MrBeast. Mais combien de personnes réagissent à des contenus français? Je sais pas. Fait que je voulais essayer ça. Maintenant, la vérité. Il y a un an, j'ai fait une demande par commentaire. Est-ce que je peux réagir aux vidéos? J'ai pas reçu de réponse. Fait maintenant, on vient de finir l'assistant dentaire, qui est une vidéo de 25 minutes. Parce que c'est une vidéo de 25 minutes. Même si je me fais copyright strike, même s'il faut que je lève la vidéo, c'est pas si grave que ça. Maintenant, si je vois que ça marche, on va y aller petit à petit. Puis à la fin, on va faire des réactions à le tavernier. Le coach d'amour, la famille de Leslie qui est ma vidéo préférée. Puis ouais, on va réagir à ça. Fait que pour l'instant, c'est toute une question de faire des tests, c'est toute une question d'apprivoiser les contenus, tu sais. Je pense que c'est un contenu que j'adorais en tant que visionneur, mais en tant que quelqu'un qui va faire une réaction, je sais pas si je vais aimer. Tu comprends? Fait que c'est encore une fois, puis je veux vraiment applaudir le fait qu'on a des gens qui créent du contenu comme ça. Il y a certaines beautés au fait que je suis là sur mon balcon à 5h55 du matin en train de faire une réaction à une vidéo. Il y a cette beauté-là, mais il y a aussi la beauté qu'il y a des vidéos qui ont été faites par des compagnies de production qui ont été faites, qui ont été réalisées, qu'il y a beaucoup de réalisations, qu'il y a beaucoup de planifications, qu'il y a beaucoup de gens qui sont ensemble, tu sais. Tu peux dire, ouais, mais la chaîne n'a pas beaucoup de vidéos. Ce qui est vrai, mais c'est de la job, c'est beaucoup, beaucoup de travail, tu sais. Fait que, là, techniquement, le but, right, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que YouTube, c'est quoi la différence? Pas nécessairement la différence. C'est juste le fait que YouTube est capable d'avoir ces deux types de créateurs de contenu-là
qui cohabitent ensemble. Puis c'est ça que j'adore. Je veux réagir à du contenu qui a un peu plus de production parce que. J'en ai pas, moi j'en ai pas. J'en ai pas de production, puis je sais pas si je vais en avoir un jour. Tu comprends? C'est pas ça mon type de contenu. C'est que le fait qu'il y ait une dualité, le fait qu'il y ait une dichotomie, le fait qu'il y ait une. Qu'il y ait une différence en fait. Puis c'est aussi, je pense qu'il y a une beauté là-dedans. C'est la beauté de. Comme j'ai dit au début, tu sais, t'es français, je suis canadien. On parle souvent quand on a nos cousins français. Il y a aussi le partage de la langue. C'est peut-être pas la même culture, mais la langue à laquelle on appartient. C'est un petit peu des racines. C'est l'histoire du Québec. C'est l'histoire de ma patrie. Puis je pense qu'il y a un gain à explorer d'autres cultures que la tienne. J'ai commencé la vidéo en disant que j'ai beaucoup focusé sur être Québécois versus être Canadien. Je pense que j'ai été, en tant que personne, en tant que créateur de contenu, j'ai été extrêmement restreint. Je me suis extrêmement restreint moi-même pour faire du contenu. Je me suis extrêmement. J'ai extrêmement focusé sur ce qu'il y avait autour de moi. Alors que autour de toi, c'est beau, mais il y a un monde quand même. Il y a un univers qui se passe. Tu as beau avoir une plage, tu peux pas se concentrer sur un grain de sable. Fait qu'on va continuer. Je vous aime. Passez une belle journée. Profitez du beau soleil. Bye. Salut, c'est encore moi. Je rajoute ça à la vidéo parce que je viens d'écouter une vidéo. J'ai juste fait une réaction. Puis j'ai oublié de dire à quel point une des raisons pourquoi j'aime beaucoup Greg le contenu de Greg, c'est parce que dans toutes ces vidéos, le concept c'est le pire genre, le pire stagiaire. C'est tout comment je fais pour être horrible, comment je fais pour faire la pire job possible, comment je fais pour la pire personne possible. Puis je sais pas si c'est le peuple français en tant que tel, mais il y a toujours un sentiment qui s'apprécie. Il y a tellement de charisme. Il y a, même si la personne qui l'a piégé, est comme, ouais, mais je sais qu'il fait beaucoup d'erreurs, mais il y a un bon fond. Tu vois ça avec toutes les émissions. Puis il y a vraiment une certaine ambiguïté dans le fait que même si t'es terrible, le fait que t'es gentil, le fait que le monde t'apprécie. Puis je trouve ça magnifique. Ça parle à la qualité humaine, en fait. Ça parle à des gens qui sont pas nécessairement. Il y a bien sûr des différentes réactions, mais c'est ça l'humain. Mais la part des réactions, c'est très positif, là. Puis c'est quelque chose qui me fait vraiment extrêmement plaisir à voir. Je pense que c'est ça un petit peu. Je pense que j'ai écouté justement une caméra cachée. Je me rappelle plus c'est qui le créateur, c'est un anglophone. Mais il y avait pas beaucoup de réactions. Puis je pense que les vidéos que moi j'ai vues, il y a des bonnes réactions. La personne est gentille, mais c'est surtout le jeu. Tu peux planifier ton prank si tu veux, mais tu peux pas planifier la réaction des gens. Puis je trouve que c'est ça qui est magnifique. C'est que même si c'est pas planifié, dans la plupart des cas, c'est extrêmement positif. Puis j'adore ça.